Alors cet après-midi, bien pédaler 1 heure sur le soleil, c'est impossible de démarrer. Moi j'ai mis de l'essence évidemment. L'essence sort bien là. Par contre, il n'y a rien qui revient par la surverse. Et de temps en temps, ça fait un seul pet avec un gros nuage de fumée là. Alors j'ai même essayé en bouchant avec le doigt, comme je l'avais lu, ma cache. J'ai revérifié le volant, l'avance, les contacts. J'ai relimé rien. Et par contre, je prends un autre plan. Il semble que tout le gras que j'ai mis pour monter le piston, tout ça, ça sort par la jointure entre la pipe d'échappement et l'échappement. D'ailleurs, ça m'a tout pourri le câble. Donc ça sort avec force. Ça veut dire bonne compression. J'en ai même retrouvé des taches là-bas et sur les jambes. Mais c'est du gras, de l'huile fine que j'ai mis. Ouais, donc je disais, il n'y a absolument rien qui ressort par là. J'ai rechangé le gicleur, renettoyé, pareil. Et j'ai rechangé le fil, pareil. Pourtant, il sent l'essence. Il sent bien l'essence, mais peut-être pas trempé comme il devrait l'être. Je me demande, pourtant j'ai soufflé avant de la monter, je me demande si c'est pas la durite. Bon, j'ai essayé aussi en mettant de l'essence directe là, pareil, ça démarre pas, rien. Bon, mais ça fera du boulot en plus. Au fait, j'en ai pas reparlé, mais il y a quand même quelque chose de positif. Toute ma réparation du réservoir en dessous là, qui était ouvert sur 10 cm, ça fait plus de 2 jours qu'il y a de l'essence dedans et c'est nickel, ça n'a pas bougé. Ben, pas mal. Donc avec la rallite bicomposante, vous avez vu, hein, quand je l'ai passé en 2 tubes qu'il faut mélanger. Ben, ça tient bien l'essence. Bon, à l'eau, j'avais pas trop de doute, mais à l'essence, ben, finalement, si. Il faudra peut-être voir avec le temps, remarquez. Mais pour le moment, ça tient. Je vous tiendrai au courant. À mesure. Bon, alors dans un premier temps, je pense que je vais changer la bougie dès que je trouve la référence, parce que je la connais pas, je vais pas chercher encore, et redémonter le carbu parce que je me demande pourquoi l'essence ne sort pas par là. Alors soit la durite intermédiaire est bouchée, ça m'étonnerait parce que ça sent quand même l'essence là, mais pourquoi ça sort pas là? Pour ça, ça m'épate. Donc je vais faire ça. En attendant, comme j'ai pas bien envie de retoucher le moteur maintenant, j'attaque la restauration de mon capot de filtre à air. J'ai pris le noir. Alors, a priori, il n'y avait que le vernis qui était boursouflé, pas bon. Donc, j'ai fait un petit passage sur les briques fines juste pour enlever le vernis. Ça, mes doigts ils sont mouillés. On va refaire un coup après. Là, évidemment, il manque la peinture, mais on s'en fout. De toute façon, je vais le repeindre. Tadam! En blanc. Point barre, ça sera blanc. Lui, par contre, là, je vais le laisser noir. Il est nickel, ce noir. Il sera blanc. Ouais, juste un petit coup encore. Vous voyez, le vernis est tout parti maintenant. Ouais, ça va le faire bien, ça. Bien nettoyé, dégraissé, peinture blanche. J'ai trouvé du vernis insensible aux hydrocarbures. Je vais le mettre par-dessus, ça fera nickel. Allez, on va faire ça. Et nous voilà dans la cabine de peinture, prêt à peindre. Là, il y a une petite bosse, là aussi. Vous savez très bien que si j'essaye de la redresser, ça sera encore plus moche. Donc je la laisse en appui sur les deux T là, parce que je compte pas peindre le dessous. Allez, on y va. Voilà, normalement il est prêt. Demain je passe le vernis, à moins que je trouve un manque quelque part, je repasserai une couche de blanc. Et sinon demain vernis et c'est bon. Ça me plaît comme ça.
Ben voilà, je vous présente le capot de filtre à air blanc donc et verni. Ben pour le moment c'est nickel ce vernis. Waouh. Et insensible aux hydrocarbures. Donc ça devrait le faire. C'est ça que je percerai, je passerai en dernier sur le réservoir et le cache volant. Très bien. Alors j'ai démonté au niveau du carbu pour vérifier l'arrivée d'essence. Ouh, c'est compliqué ça. Enfin, ça coule bien. Hein. Donc ce n'est pas la durée. A priori donc carbu. Bon allez, je vous le refais. Bon, vous voyez bien, à chaque compression, ça sort bien. Mais toujours rien dans le refoulement. Bon, je regarde le carbu. Alors, carbu remonté, je vous fais la même manœuvre et on attend l'essence par la surverse. Et bien, vous avez vu déjà, au même rythme. Donc ça, maintenant, c'est OK. Ben, on va chercher autre chose. Alors après, c'est bon, je vois bien l'essence couler maintenant, c'est OK. Je viens de démonter la bougie. Bon là, elle brille parce que je l'avais nettoyée. Mais il y a bien de l'essence. D'ailleurs, ça sent l'essence. Ah ouais, c'est trempé au fond, donc c'est bon. Vous voyez peut-être pas, mais moi je vois les reflets sur la calotte du piston. Mais ça n'empêche pas qu'il faudrait que je la change. D'ailleurs, est-ce que c'est marqué? Là, c'est une Bosch. R0371. RD371. Ouais, ok. Bon, de toute façon, il faut que je la change parce que je ne sais pas du tout dans l'état où elle peut être. À mon avis, le problème, c'est non pas le cordon, non pas le condo, non pas les bobines, mais le contact. Là, sous le volant, on ne verra pas contact au bout là, qui est juste posé sur la bobine. Pourtant, j'ai bien détordu, nettoyé les lamelles. Je suis persuadé que ça vient là. Putain, quelle merde, hein. Aussi que ces systèmes à la noix qu'ils ont fait, c'est archi nul ça. Bon, c'est pas grave, je cherche. Bon, et pour l'étincelle, eh ben, c'est nickel aussi. Donc, problème. Alors, résumons. Il n'y a que la bougie que j'ai pas changée. Bon, il faut en tenir compte. Par contre, étincelle, nickel. Je l'ai pris aussi dans les doigts. Bonjour. Voilà, elle n'est pas serrée. Hein. Le réglage de l'avance, je l'ai fait pile poil à environ 2 mm avant le point mort haut. Comme je vous l'ai montré la dernière fois, en mesurant la hauteur du piston. Donc ce qui fait que, histoire des 5 mm d'avance en plus, je les ai enlevés. Ça me semblait beaucoup trop, ça faisait plus de 3 mm d'écart en tout là-haut. 3 mm avant le point mort haut. À mon avis, c'est trop. Ensuite, donc l'essence, eh ben, la pompe envoie bien, ça arrive bien par la durite, ça ressort bien là. Et j'en ai bien sous la bougie, donc c'est pas un problème d'essence et a priori ni un problème d'étincelle. Et ne venez pas me parler du condo, pas savoir, c'est pas de condo. Donc voilà, j'en suis là. Et puis peut-être faut quand même remettre le filtre à air, pas con ça, parce que de temps en temps il y a une explosion là, pouf, nuage. Et oui, peut-être trop d'air. En plus, on se met sur starter pour démarrer. Ouais, je vais noter ça. Sinon, si tu as une idée, ben c'est la bienvenue. C'est la bienvenue, surtout que moi, je suis tellement dessus que ça se trouve, je passe à côté d'un truc évident qui je vois pas parce que je suis trop dessus.
Au fait, ce chiffon, c'est pour protéger mon cadre par rapport entre l'arrivée de l'échappement et l'échappement du cylindre. À mon avis, il manque une pièce. Il doit y avoir un joint en caoutchouc, un truc comme ça. Bon, ouais, c'est ça. Je suis trop dessus, donc je vois pas trop bien. Donc c'est à vous de me dire. Mais il n'y a pas de raison. Il doit au moins tourner comme avant.